Bonjour à tous, c'est Nathalie. Aujourd'hui, on va faire un cours de yoga du matin. Ça va être un cours calme, tranquille, qui va vous permettre de vous réveiller en douceur et de retrouver un tonus musculaire pour toute la journée. On va commencer en position allongée. Vous pouvez aussi faire ça dans votre lit au départ. Allongez-vous dans votre tapis. Tendez les jambes. Jambes jointes, pieds flex. Montez les bras au-dessus de la tête, doigts entrelacés. À l'inspiration, poussez les paumes de main dans la direction opposée de vos talons. Grandissez-vous. Expire, relâche. Inspire, grandis-toi. Pousse les talons. Pousse les paumes de main dans les directions opposées. Et relâche. Encore une fois. Étire-toi, dénoue les nœuds dans tout ton corps et relâche. À l'expiration, ramène un pied dans le tapis, l'autre pied. Prends une grande inspiration, gonfle le ventre. Expire, ramène un genou poitrine et puis l'autre. Et d'ici, tu vas juste venir déposer les genoux dans le sol, sur le côté droit de ton corps. Un genou et puis l'autre. Et venir mettre le bras sous l'oreille droite. On va venir dans une petite torsion pour se réveiller. Pour ça, c'est tout simple. Avancez le bras droit vers l'avant. Reposez votre tête dans le tapis. Avancez votre bras gauche. Et à l'inspiration, faites un arc de cercle. Pour venir déposer la main gauche dans le sol. Les bras forment une belle ligne. Paume de main dans le sol. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez regarder vers la gauche. Inspirez calmement, réveillez votre corps en douceur, inspire, repasse le bras par le haut en demi-cercle et ramène un genou et puis l'autre pour revenir sur le dos. La même chose de l'autre côté, on dépose un genou dans le sol et puis l'autre sur la gauche, on tend le bras droit, inspire, cercle de bras et viens déposer la paume de main dans le sol. Et si tu veux aller plus loin, tu peux regarder vers la droite. Respire calmement. Reviens par le trajet inverse. Inspire. Cercle de bras. Et ramène un genou et puis l'autre sur le dos. Compresse ici les genoux dans la poitrine. Et à l'expiration, tu viens pousser les genoux dans les mains, enrouler la tête. Reste ici un moment pour étirer le haut du dos. Et relâche. Inspire, expire, compresse les genoux dans la poitrine. Inspire, relâche, gonfle le ventre. Expire, pousse les genoux dans les mains, enroule la tête. Et continue le chemin pour venir en tailleur. En tailleur, mains sur les genoux. Grandis bien le dos, menton légèrement rentré. Et à l'expiration, on penche la tête vers la droite sans compresser les cervicales. Inspire, reviens. Expire sur la gauche.
Inspire, reviens. Monte les bras vers le haut. Inspire, monte tout. Les épaules, grandis-toi un maximum. Expire, baisse juste les épaules, garde le dos droit. Encore une fois, inspire. Et baisse juste les épaules. Baisse le bras gauche dans le sol, bout des doigts au sol. Inspire et expire, tu vas te pencher sur la gauche. Avance le bout des doigts jusqu'où tu peux sans compresser le côté gauche. Tout reste en étirement. Si tu veux aller plus loin, tu peux regarder sous ta main droite. Baisse bien l'épaule gauche. Inspire, reviens. Pose le bout des doigts droit dans le sol. Inspire, lève le bras gauche. Avance les doigts vers la droite. Et regarde sous ta main gauche. Baisse bien l'épaule droite. Ne compresse pas le côté droit du corps. Et étire de la fesse jusqu'au bout des doigts gauche. Inspire, reviens. Main droite sur le genou gauche. Main gauche derrière le dos. Inspire et expire, regarde vers l'arrière. Petite torsion. Ça va réveiller tout votre système digestif et vous permettre de passer une très bonne journée. Inspire, reviens. Main gauche sur le genou droit, main droite derrière le dos. Inspire, grandis-toi. Expire, regarde vers l'arrière. Épaules basses. Dos droit. Et inspire, reviens face. On va venir en position de quatre pattes. Pour ça, on va commencer en position de l'enfant pour dénouer toute la colonne vertébrale. Les bras devant. Paume de main dans le sol. Inspire, remonte dans un quatre pattes. Dos droit. Les mains sont légèrement à l'avant des épaules. Inspire, regarde vers le haut. Expire, regarde ton nombril. Inspire, regarde vers le haut. Expire, enroule le bas du dos, le milieu et le haut du dos. Et regarde ton nombril. Crochette les orteils dans le sol, demi-pointe. Monte sur le bout des doigts. Et accentue ce dos rond en essayant d'aller amener tes fesses sur tes talons. Et reviens. Tends la jambe droite vers l'arrière, le bout des doigts gauche vers l'avant. On va réveiller musculairement le corps. À l'inspiration, tu vas monter ta jambe droite et ton bras gauche pour venir dans une belle position de ligne droite pour réveiller le corps en douceur et tu reposes. Tends la jambe droite, demi-pointe derrière, bout des doigts droits devant, inspire, lève la jambe, lève le bras et repose. Tends la jambe droite, tends la jambe gauche, viens dans une planche. Repousse les fesses vers le haut pour venir dans un chien tête en bas. Ici, c'est le matin, il se peut qu'on se sente un petit peu raide. N'hésitez pas à avancer un petit peu les pieds, à marcher, réajuster vos mains. N'hésitez pas à garder les jambes pliées. Pliez une jambe et puis l'autre. Faites des petits mouvements de marche pour dénouer toutes les tensions. Pour venir dans un chien tête en bas, immobile, les épaules basses, la tête dans l'axe de la colonne, dos plat, pliez les genoux, on vient marcher tranquillement, pieds écartés, largeur du bassin. Et d'ici, on laisse retomber la tête et on attrape les coudes opposés.
Et on laisse retomber les épaules, la tête. Main sur les tibias. Regarde vers le haut. Inspire, dos plat. Expire, main dans le sol. Parfait. Tendre une jambe vers l'arrière. L'autre jambe. Pose les genoux dans le tapis. Et descend Chaturanga dans une planche. Inspire, petit cobra. Juste, on réveille le dos. Resserre les épaules. Expire, redescends dans le tapis. Crochette tes pieds. Repousse pour venir dans une table et dans un chien tête en bas. Marche pour venir entre les mains. Pieds serrés, mains sur les tibias. Inspire, regarde vers le haut, dos plat. Expire, nez, genoux. Et inspire, tu remontes dos plat. Jusqu'en haut, main en position de prière. Tadasana, paume de main ouverte vers la face. Et d'ici le dos bien droit et on ferme les yeux. Ici, on sent le poids du corps dans le sol. On essaye de se rééquilibrer. Inspire, ouvre les yeux. Expire, inspire. Lève les bras vers le haut. Expire, plie les genoux. Descends dos droit, main dans le sol. Inspire, regarde vers le haut, pousse les doigts au sol. Expire, tends ta jambe droite, tends ta jambe gauche. Et directement, viens dans un chien tête en bas. Et d'ici, tu vas pousser la jambe droite vers l'arrière, tendue. Le pied flex, dirigé vers le sol. Les hanches restent bien alignées. Et tu viens poser ton pied entre tes mains. Pose le genou dans le sol à l'arrière. Le pied dans le sol. Et d'ici, inspire. Et monte tes bras vers le haut. Repose les mains dans le sol. Crochette tes orteils derrière et tends ta jambe. Tu peux rester la jambe pliée si c'est trop intensif pour toi. Inspire, lève le bras droit vers le haut. Regarde ta main droite. Trouve ce bel étirement dans les épaules. Ouverture de la cage thoracique. Et reviens poser la main droite dans le sol. Reviens dans une belle planche. Pose les genoux dans le sol et descends, coude proche du corps. D'ici, on va travailler à ouvrir la cage thoracique. Poser les coudes dans le sol. On va faire un petit sphinx. Serrer les pieds derrière, tendre les jambes. Et d'ici, on agrandit bien vers le haut. Il ne s'agit pas d'écraser les lombaires vers l'arrière. Et ici, on se grandit. Ayez la sensation de rentrer votre ventre, d'ouvrir les épaules. Gardez la tête bien dans l'axe. La sensation de rentrer le ventre tout en respirant. Dans le tapis, oreille gauche dans le sol, gros orteils qui se touchent et fermez les yeux un instant. Ouvre les yeux. Viens ramener les mains à l'aplomb des épaules, aide-toi de tes mains et viens dans une position de l'enfant. Étire la colonne vertébrale. Inspire, viens dans une position de quatre pattes. Crochette les orteils, pousse les fesses vers le haut
Chien tête en bas. Pousse la jambe gauche vers l'arrière. Orteil face au sol, les hanches bien face. Et viens poser le pied entre les mains. Pose le genou droit dans le sol. Pied dans le sol. Inspire, lève les bras vers le haut. Hanches bien face. Tu peux regarder tes mains vers le haut si tu veux accentuer la posture. Rentre bien le ventre vers l'arrière. Respire calmement, réveille ton corps, pose tes mains dans le sol. Tu peux garder les genoux au sol ou tendre ta jambe derrière. Inspire, lève le bras gauche vers le haut. Épaules basses. Ouverture de la cage thoracique, repose la main gauche dans le sol. Ramène le pied gauche derrière dans une planche. Pose les genoux au sol et descends coude proche du corps. Inspire, petit cobra. Et expire, oreille droite dans le tapis. Gros orteils qui se touchent. Main à l'aplomb des épaules, front dans le sol. Expire, reviens poser. Les fesses sur les talons en position de l'enfant. Ramène tes mains et déroule le dos. Viens t'asseoir en tailleur ou tu peux rester les fesses sur les talons. Et d'ici, position de tailleur, tu fermes les yeux, le dos bien droit. Tu prends une grande inspiration. Monte les bras vers le haut. Colle les paumes de main ensemble. Et redescends les mains en position de prière. Encore une fois. Monte les bras par les côtés vers le haut. Et expire, paumes de main ensemble. Redescends en position de prière. Frotte les paumes de main ensemble. Et viens les poser sur tes yeux fermés. Encore une fois, inspire, frotte les paumes de main ensemble et viens les poser sur tes paupières. Ouvre tes yeux dans le noir et regarde tes paumes de main, descends tes mains vers le sol. Mains sur les genoux. Merci à tous, j'espère que ce cours vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Retrouvez-moi chaque semaine sur la chaîne YouTube Elle. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ne rien rater.